Non mais ça va pas ou quoi, Jean-Guy? On peut travailler 37h40 et être payé sur 35, je serais jamais passé. Mais pourquoi? Avant vous étiez payé sur 38 et vous faisiez 35. Chacun son tour, hein. Quel cynisme! Qu'est-ce que vous voulez, des grèves sans préavis? Des suicides dans l'entreprise? Non, ce que je voudrais c'est faire pipi tout seul. C'est possible ça, non? Attention, Jean-Guy. Attention, Jean-Guy. Attention, Jean-Guy. Nom d'un chien de saloperie de poignée. Y'a quelqu'un? C'est formidable. Aïe! C'est qui le meilleur? Ah, t'as raison! Ah, là, y'a quelqu'un! Vous entendez? Je suis Jean-Guy Lecointre et je vous somme de vous faire connaître. D'accord. Je vous signale quand même qu'il y a non-assistance à personne en danger. Je suis coincé, là. Jean-Claude, c'est vous, c'est votre sonnerie. Jean-Claude! Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy? Ah, Hervé, c'est vous qui étiez là? Non, non, je viens d'arriver à l'instant avec Jean-Claude, la raccroche, il est oui. aux toilettes, Jean-Guy. Ah, je suis content de vous entendre. Vous pouvez appeler la sécurité? Bien sûr, on s'en occupe tout de suite. Sinon... Ah, ça veut pas, Jean-Guy, la clanche doit être faussée, c'est net, là. Et la sécurité, c'est quand même étonnant que ça soit toujours occupé. Ouais, oui, c'est vrai que c'est étonnant, mais on est sur le coup, là, je sais pas ce qui se passe. Ah bah, soit ils ont mal raccroché, soit ils regardent le match de foot, hein. Ou alors ils font leur ronde, je sais pas, ça va sinon, Jean-Guy? Mais non, ça va pas, évidemment, ça va pas. Qu'à dîner, moi. Peut-être qu'en trouvant un tournevis, vous pourriez crocher la serrure, alors. Ah oui, un tournevis, c'est pas idiot, ça, j'y avais pas pensé. Bah, je vais y aller, tiens. Merci. Tu viens avec moi, Jean-Claude? Ouais, j'arrive. Non, Jean-Claude, mais restez là, Jean-Claude. Jean-Claude! Pauvre petit crétin, diminué. Hey, Jean-Guy, c'est nous. C'est nous. Enfin, qu'est-ce que vous avez fichu? 20 minutes que vous êtes parti. Bah, c'est-à-dire qu'on a cherché partout un tournevis comme vous nous l'avez demandé. Quoi? Deux, crétin. Vous, Jean-Claude, vous auriez pu prendre l'ascenseur et aller au PC sécurité. Ah, on n'y avait pas pensé. Mais on va y retourner tout de suite, Jean-Guy. Mais non, non, mais c'est bon, restez. Vous avez un tournevis, on va en finir, allons-y. Ouais, c'est vous le patron, hein. Ok, je le glisse, là. Mais je le vois, mais il est tout petit, ça va pas marcher. Ah, il y a des chances, ouais. Ah ouais, c'est dur, hein. Oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, j'en sais rien. D'autant qu'à la sécurité, ça répond toujours pas. Faudra sévir un jour ou l'autre, hein, Jean-Guy. Hein. Ah, ah, ouais, ouais. Parce que Jaco, il est terrible. Mais je peux pas rester là, faut que je sorte. J'ai faim. Ouais, nous aussi, on est marrant, Jean-Guy. Mais on est sur le coup, hein. On est sur le coup. Merci, hein, messieurs, merci. Hein. Quelle histoire. Hein. Je devenais fou, moi. Ah ouais, on a vu ça. Hein. Ça devenait chaud quand vous avez appelé le bon Dieu, là, vous étiez. Ah, 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 oui, Enfin, le truc, c'était de trouver l'outil miraculeux, si j'ose dire. Et puis après, ça va tout seul. Bon, bon, merci. C'est pas qu'on s'ennuie, hein, voilà. Mais on a des rencarts, nous. Oui, c'est ça, merci. Bon, ben, je prends ma veste et je me sauve, moi. Hein. D'accord. Bonne soirée, Jean-Guy. Oui, merci. Oh non, oh non, c'est pas possible, ça. Y a quelqu'un? Oh non.